na bino nyonso tu mbote na ba Congolais tu oza libanda mboka oza na katikati ya mboka tu es dans la capitale tu es à l'intérieur du pays toza na isingwa okotana na bino ndenge na lobaki déjà tuzalaki wana pona ko assister na enterrement ya ba victimes oyo ya cité ya ba déplacés ezalaki bombardé par le rebelle du M23. Tous nous avons compati, on a écouté ba représentants ya gouvernement oyo bayaki wana, ils ont parlé. Qu'est-ce que nous devons retenir na maloba oyo Patrick Muyaya, ministre Mutinga, Fabrice Mpuela, ya droits humains oyo balobaki, ce que vous devez retenir, vous allez le savoir na émission oyo tozali kobeta na bino masolo lelo, mais surtout lelo tozali kolobela élection ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Vital Kamerhe est-ce que ya oleka ba Congolais bali ya otomboka balingite Kamerhe azalawana balingite Mboso azalawana balingite népotisme oyo ezali na AFDC ya kozwa mwana à la place de papa. Et comme le monde a crié que batumi balé à province moko bakoki kozala wana te baye kotiela biso likango na bango na niveau ya batu yo bazali na bureau bamamba baba candidat ya Union Sacrée soit ticket ya Union Sacrée na kati ya bureau définitif ya Assemblée nationale lobby campagne ali kobanda pona ko voter nani la population n'est pas d'accord. Le député se sont révoltés. Mboso a komi kokata batu mususu oyo bazali ba membre ou soit ticket ya Union Sacrée. Tomoni oyo azalaki ministre oyo ya commerce extérieur yepe ayé apostilé na poste wana deuxième vice-président. Union Sacrée et Panzani to et Panzanité. Est-ce que le chef de l'État doit dissoudre le parlement pour l'avantage de tous les Congolais, toi li komituna mituna wana. Est-ce que Bayimboka, les membres de l'IDPS, bazali satisfait, pe bazali komimona que tout va mieux avec la gestion de l'IDPS aujourd'hui au pouvoir. Voilà un peu oyo tokomeka kolobela ngaina bino lelo na émission oyo na yeli bino na lombang. Mais je vais encore parler na oyo Itali ba Qatarien oyo balingi ba botola le seul port ya Onatra oyo etikali na niveau ya Matadi. Ça ne peut pas se faire parce que le DG oyo ya Onatra zali kobundela le droit, les avantages ya ba travailleurs ya Onatra oyo bazali bongo menacé ya okende na chômage kala mingi te parce que ba conseiller ya chef de l'État balingi ba Qatarien bazo a port ya Matadi po ba continuer na misala oyo Onatra ye moko azali déjà na kati ya osala. Voilà pourquoi je vous dis, aujourd'hui, on demande le changement de la constitution. Est-ce qu'il faut changer la constitution? On va essayer un peu de ramasser tout ça, mais le peuple congolais va boy Vital Kamerhe na niveau ya Assemblée nationale. Alors, likez l'émission, partagez l'émission, partagez notre vidéo, bo aimé vidéo nabiso, bo partagez yango, parce que Makambu ezali à Oinda, bureau définitif ya Assemblée nationale, ou ta 48 heures, voire même 72 heures, na liko yebisabino. Les ennemis de la République démocratique du Congo, Bongo na Bango, na kati ya présidium, ya Union Sacrée. Union Sacrée est commis, Union ya Bololo, l'Union amère. Ezali sous Union Sacrée, te. Po Union Sacrée au Sangana, pour avantage ya peuple, pour avantage ya Mboka na biso, mais tomoni ke basangani pon avantage ya mabumu na bango. Retenez que bino batu bavotaki bango, regardez ce qu'ils sont en train de vous faire souffrir, surtout vous nos frères de l'Est, oyo chef de l'État zali kozela une déclaration de guerre. Encore bienvenue dans ce numéro de décryptage de l'actualité. Na ibisa kibino lobby to bandana noana parce que c'est très important. Lobby gouvernement est indaki batu na goma o bakendaki ko assister na enterrement ya ba victime o bakufaki na bombardement ya site ya ba déplacé na niveau ya goma. Ils ont été enterrés avec honneur, avec dignité. J'ai suivi le ministre des droits humains monsieur Fabrice Mpuela o yoyé à lobby que
La République démocratique du Congo va porter plainte contre le Rwanda pour la victime ou la outa qui koukoufa. Malheureusement, ce qui m'a fait très mal, les gens, à propos du gouverneur militaire, nous sommes en train de nous préparer. Comme si cette guerre est bandée qu'il y a des jours, comme si cette guerre est bandée qu'il y a une semaine, on ne peut pas se préparer alors que tu allais tendre vers la troisième année depuis Bounaga Nessie Kouyat. Il faut dire des choses avec clarté. Le temps de siège, depuis qu'on a mis ces gouverneurs militaires, rien ne change. À chaque fois qu'il sort, na média Aliko s'est préparé. Quand est-ce que vous allez vous préparer? Or, dernièrement, j'ai vu le chargé des opérations, il y a armé Nabiso, Oyo, à Kendaki, na partie est, accompagné du chef d'état-major général, M. Christian Tshiwiwo. Il était également accompagné, il y a Chico Tshitambwe, Olpe Azali Nakati, il y a équipe dirigeante, il y a armée Nabiso, ou soit l'état-major général, il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Quand vous dites à la question posée par les journalistes, qu'est-ce que le gouverneur militaire attend pour qu'il y ait des offensives, même si sur le terrain il y a les offensives, Vichumbi a été récupéré, Kibirizi a été récupéré, Rwandi a été récupéré. Depuis hier à 6 heures, nos forces armées avaient encerclé toutes ces localités et ont procédé par des bombardements. Je vous ai dit le lot d'Ayelina no Makambo anati parce que lobby na solola ki nabino na yango bolandi yango en long et en large. Mais le lot, je peux vous dire que même si les opérations sont lancées, on aimerait voir que un gouverneur militaire, la direction, soit l'administration militaire, devrait donner l'impulsion, l'impact selon laquelle l'armée est en train de se battre, selon laquelle l'armée est déterminée. Mais lorsque vous venez dans un briefing organisé par le ministère de la Communication et Médias, dire aux Congolais que nous sommes en train de nous préparer, c'est comme si depuis lors, l'armée ne fait absolument rien. La communication pèse. Et moi, je pense, et j'ai toujours pensé, que ces gouverneurs militaires-là, Oyanor Kivu, ne mérite pas d'être là-bas. Parce qu'il est accusé na Bokoyi ya Bounagana. Parce que c'était lui qui était chargé des opérations côté Wana. Bounagana et Koya, il n'a jamais rendu compte ya Oyoye Asali. Peter Sirimwani, c'est de lui que je parle. Comment tu peux dire aux Congolais que l'armée se prépare? Or, l'armée est en train de mener des offensives. Il y a aujourd'hui l'opération Guépard. Il y a aujourd'hui l'opération Léopard, l'opération Vengeance, dont l'armée est en train de battre à plate couture. Mais tu as vu comment on a un gouverneur militaire qui vient dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que l'armée, c'est comme pour dire que le gouverneur Azali pour nier les attaques, les offensives de l'armée sur place. Et cela est passé dans les médias nationaux, la télévision nationale, la RTNC, un gouverneur militaire qui affirme que l'armée est en train de se préparer. C'est trop grave. C'est une faute grave de communication qui mérite même la suspension. Parce qu'au plan international, tout ce que nous sommes en train de dire, oh, l'armée est allée pour ça. Ce qui est armée, c'est qu'il y a aussi préparé. On pose la question à Peter Sirimwani. Comment est-ce que Mutanda a été récupéré? Si l'armée est en train de se préparer pour passer à l'offensive, comment est-ce que plusieurs jeeps et camions de militaires M23 ont été décimés? C'est très grave d'avoir des militaires, c'est très grave d'avoir des hommes comme ça qui se mettent à faire des déclarations pour ainsi réduire toute la confiance que la population a dans mon akati armée. Il a été toujours accusé de travailler pour l'ennemi. N'est-ce pas la communication qu'il vient de faire à Sali Yango dans les comptes de l'ennemi? Est-ce que la hiérarchie militaire, monsieur le chef de l'État, le commandant suprême, monsieur le chef d'État-major, monsieur le chargé de l'administration,
Monsieur le chargé des opérations, ne voyez-vous pas que Peter Sirimwani, à chaque fois, Azali Kola qui s'assonne à armé Nabiso. Yemu toi pakata kimbango na Bunagana. Yemu toi pakata kimbango na Ruchuru, na Kichanga. Le nom lissou à la tête. Ya gouvernora, sous l'administration militaire, tala. Ma déclaration à l'Ikosal, l'armée se prépare. D'ailleurs, j'ai vu encore une déclaration, Oyo, quand même nous félicitons, l'armée et la police a mis la main sur des motocyclistes ou bien des motards, Oyo, va outi Rwanda. Bamzouzou va outi Bunagana, Bamzouzou va outi Kichanga. Et le Rwandais, Bangonde, Babandaki, commettre les exactions. Le Rwandais, Bangonde Babandaki, commettre l'insécurité. Ce qui était en train de mettre l'insécurité à l'est de la République, surtout dans la ville de Goma, la nuit. Les gens qui tuaient, c'était des Rwandais qui ont été arrêtés avec leur moto. Voilà pourquoi il y avait l'interdiction. Nakati, la ville de Goma, il y a qu'on travaillait au-delà de 18 heures, ce qui aux alli motards. Et aujourd'hui, on peut féliciter les services. Il y a mon cannabis, on y tient le bon qu'on a bango, n'a pas motard rwandais, on va bander qui commettre un crime au niveau de la ville de Goma. Le Rwanda nous a infiltré, ti n'a pas wewa. Te le banaba wewa, ya Rwanda, ma commune la République démocratique du Congo. La plupart ont été arrêtés na Goma. Laissez-moi d'abord m'éterniser là parce que c'est très important. C'est que Peter Sirimwani a dit, je vous l'ai dit, mais ce qui concerne aujourd'hui l'arrestation des motards de Wewa Rwandais qui sont venus infiltrer même la structure de Wewa na niveau ya Goma. Et ce sont ces gens-là qui ont commencé à tuer dans la ville de Goma pour qu'il y ait une méfiance entre la population et les forces de défense, les forces de sécurité. Naba Oyo, Babandeki Koluka déjà que la République puisse être déstabiliser, que la ville de Goma va meurtre et continuer. Même si on a mis la main sur ces motards, est-ce que Bango Kaka ne nombre Oyo ya motards ou Ande ou Bayaki na ville ya Goma? Leurs recherches doivent continuer, la vigilance doit continuer. Ici à Kinshasa, Toaliko Bengango, Lissou, Likolo ya Lissou. Le peuple, les Gomatraciens, Bango Pe Sengeli Bazala Lissou, Likolo ya Lissou. Et Sengeli Koyeba Nani, Azali Nani, na Lopango Ali Kofutela, na Lopango Oyo Ozali, na quartier Oyo Ozali, na avenue Oyo Ozali, et Sengeli Koyeba Nani, Azali Nani, parce que le Rwanda nous a infiltrés jusqu'à na niveau Oyo, na degré Oyo, Bisomoko, Tobandaki Ko s'attendre Nangote. Ainsi, mes chers compatriotes, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Ata Binomoko. Le président de l'Union sacrée. Eza et Lokomoko Yabandoki. Eza et Lokomoko. Eza la base ya souffrance Yabayimboka. Président ya l'Union sacrée. Le loba talisi pour l'élé. Bali ko vivre te. On a connu la solution à la population, mais ils sont là pour chercher les solutions aux problèmes de leur famille. Moi, je me suis posé la question lorsque Tobanegi Kokende Maponani, vous allez comment la moutouye moko a postulé député provincial et Tikalika Kaba postulé pe ba conseiller communal. Mais Nenge ba conseiller communal bazane l'autre côté, mais Ango ba Tikeli Ango ba Tio baza ba Bola, ceux qui n'ont pas de moyens. Bango ba Wele la qui ba député provinciaux, Bango moko ba Bimi ba député nationaux, Bango Moko babimi ba gouverneur, bango moko babimi ba sénateur. Donc, bazo wele le lissousou na répartition ba poste na gouvernement, bango kakaba kende pe gouvernement. Mes chers compatriotes, où allons-nous? Est-ce que ces pays totikeli yango kaka classe politique wana? Moutouye moko neti fifi masuka tolo bato lo bate. Yo moko zali député provincial. Yo moko zali député national. Yo moko zali sénateur. Yo moko zali gouverneur. Et lorsque vous regardez les suppléants de ces gens-là, vous allez voir que zali basi na bango. Eza ba makangu na bango. Eza bana na bango. Bango de baza ba suppléant. Une fois élu député provincial, yo moko a postulé sur député national. S'il est élu député provincial, moi nana ye a commis député provincial na place na ye. Ya keyi na députation nationale. Élu sénateur, atiki moi si na ye na députation nationale, ya akeyi sénat. Élu gouverneur, azui soki mou mobali na ye, atiki ye kuna, ya akeyi gouverneur na Lualaba.
finalement, est-ce qu'il n'y a que vos familles qui sont capables de gérer ces pays? Et le peuple, vous êtes là, vous regardez le pays être pris en otage par un groupe d'individus, par un groupe de gens. On doit appliquer l'article 64, mais dans le bon sens. Le peuple a le droit de se défendre. Il y a moto lobby le 19 mai. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Parce que le peuple, ce qui est au sondage, est-ce que vous n'avez pas Kamere Azala, président de l'Assemblée nationale? Vous allez voir que le peuple n'en veut pas. Le peuple n'en veut pas. On a appris, grâce à Moussala Gilles Alinguette à Sali, le rapport, le contrôle a priori, au Yoatié, a monique Makambo et Ali Lampadaire na fourrage. Yayi surfacturation, paiement en mode d'urgence, 50 millions sur 71 millions qui ont été décaissés, ont été retirés ici à Kinshasa. Mais l'autre moni procureur général, près de la Cour de cassation, a commis l'Assemblée nationale pour qu'il y ait autorisation d'instruction du dossier sur ces députés que vous, le peuple, avez élu. Par rapport, il y a un peu, il fallait qu'il y ait un peu de temps. Il y a un peu de temps, comme il y a une immunité. Aujourd'hui, il faut pas s'engager dans l'instruction. Regardez l'union sacrée à Bandoki. Pour les années, la 4e Assemblée nationale. Qui va autoriser à ce que la justice puisse débuter l'instruction du dossier Forage et Lampadaire. Le même Nicolas Kazadier, ministre. Yemoko, il assume les fonctions courantes. Yemoko, Zali, député. Poba Kangaye, il faut pas s'engager immunité. Et ce conglomérat des aventuriers, des voleurs en cravate, bah, qu'on se protège les uns et les autres. Poba Kangamutwana, il faut qu'il y ait des immunités. Voilà pourquoi cette constitution doit être changée. Même si ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, ça doit être changé. Ça doit être mis à jour. Le voleur qui se cache derrière le palais du peuple, qui se cache derrière le Parlement. Le peuple ne veut pas voir. Parce que je l'ai toujours dit. Bato baza pembeni ya Tshisekedi. Et l'okonini basala kite tango basala kina Joseph Kabila. Kabila longwe na pouvoir parce que le peuple a estimé que Kabila a échoué. Mais c'était ces gens-là qui avaient la responsabilité dans le secteur rebellé ya o changer makambo en République démocratique du Congo. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué lamentablement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont apporter Yassika? Sont-ils permis à Tshisekedi parce qu'ils sont changés? Ou soit sont-ils permis à Tshisekedi pour continuer leur système de vol? Moi, j'affirme qu'ils sont permis à Tshisekedi pour continuer la prédation. La prédation à Babiloko, à Bayimboka. D'ailleurs, sauf Félix Tshisekedi, ces gens vont font la concurrence à détournement. Ce qu'il a détourné 100 millions, oh, il a Koloba, non, 100, ils ont mouqué, moi je vais détourner 200. Oh, ce qu'il a détourné 200, oh, alors, non, 200, ils ont mouqué, moi je vais détourner 300. Et c'est comme ça que ça c'est en train de se faire. Le monstre et les autres, ils sont accusés d'avoir détourné 90 millions pour acheter à 26 bis, il y a 30 places assises. Et ce sont ces mêmes personnes. Bureau de l'Assemblée nationale. Et je pose la question aux députés. Bino la députée révolutionnaire. Biso peuple congolais, toboyi népotisme. Toboyi que même dans l'histoire, il y a démocratie. Le membre du bureau de l'Assemblée nationale va désigner Kabangote Payamoutou. Les noms à Congo, le membre du bureau, sont désignés par le président de l'Union sacrée. Mais Bazali a menacé ma député. Ce que Kéi a postulé comme un indépendant, au long d'un regroupement politique. Babenanio na union sacrée. Est-ce que l'union sacrée est yé pour travailler pour ma sunga chef de l'État, toi est yé pour détruire le peuple? Ce que nous apprenons, c'est un député national qui le dit. Et je le cite Francis Tshibalabala. Alors, ce que Kéi a postulé un indépendant,
On te chasse de l'Union sacrée. On te chasse de regroupement politique. On te chasse de l'UDPS. Sommes-nous dans la démocratie ou soit c'est la dictature au plus haut niveau? Et aujourd'hui, peut-on parler de la dictature alors que l'UDPS est au pouvoir? Bato Babundela qui l'état des droits, la démocratie, même le nom l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Sommes-nous dans la démocratie tant que vous commis qu'on menace Moutou? Ceux qui aient postulé comme indépendants, vous les chassez de l'Union sacrée. Est-ce que c'est la démocratie? Le chef de l'État, na oyo l'État, nous, présidence, il y a l'Union sacrée, il y a l'Assemblée nationale. Il a dit, candidat, oh, ya Kobima, il faut le Kanaba primaire. Est-ce que les autres postes-là, vous les cas qui n'ont pas primaire, ou soit vous avez désigné Batou selon le choix Nabil? Vous vous êtes répartis les postes selon le regroupement Nabino. Et les autres députés, la communauté Bana Bitinda, ou l'Union sacrée Koloba, Yangonde Bakolanda, Bissomet Vota Kibino Toutinda Kibino Wana. Et vous devez faire ce que le peuple veut. Peuple Lingyo Mona Kamerete. Peuple Lingyo Mona, ou vous allez Kobenga Mbosote. Peuple Lingyo Mona, Bamakanguna Bandeko, Yabato Bazana Katia Union sacrée. L'Assemblée nationale, c'est une institution, doctrine, base, fondamentale. Il y a mot cannabiso. Les lois, les contrôles du régime, il y a dit qu'au salem en Assemblée nationale. S'il y a le népotisme, bozuba nanabino, bozuba makangu nabino, bozuba ndeko nabino, boche bango na bureau et Assemblée nationale. Bino moko boko zalaba député, ba ministre plutôt. Qui va contrôler qui? Moi, n'a contrôlé papa naïe. De quoi moi, si a contrôlé de quoi naïe Moubali? Est-ce que vous comprenez que le pays est en train de. Ils allaient qu'au point, il y en a de plein avec ce genre de pratiques. Qui va contrôler qui? Aux yeux, l'ikangu naïe oche, yo moko ve pemi ya économie. L'ikangu naïe n'a pas de courage à vous contrôler. Le pays est en train de mourir. Yango na lobi boti ki batou. Il y a beaucoup de députés provinciaux, il y a beaucoup de députés nationaux. Regardez, il y a bimi député national, suppléant naïe à Liboso, moi si naïe. Il y a Kéli ministre, moi si naïe a commis député. Pensez-vous que ce qui a détourné, moi si on a causé la courage, il y a causé la motion de défiance contre Moubali naïe? Voilà comment il se protège, mes chers compatriotes. Et le peuple doit s'éveiller, le peuple doit être mis, le veille patriotique. Nous émettons le veille patriotique congolais de partout où vous êtes, Caméra et Alécaté. Cet ticket de l'Union sacrée Alécaté, c'est du népotisme. C'est de la dictature pure et simple. Même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais vu ça. Même dans l'URSS, on n'a jamais vu ça. Faites aussi le primaire, Naba Poste Moussous. Pourquoi vous l'avez fait seulement avec la présidence de l'Assemblée nationale? Faites aussi le primaire n'a pas posté Moussous. Alors le député aura le libre choix de choisir. Banani va représenter la coalition au pouvoir. Et la coalition au pouvoir ne doit pas dépendre des décisions qui sont prises par un conglomérat de sorciers, un conglomérat de. Le pays souffre. Le pays n'a pas des institutions. Deux institutions, il y a qu'au travail. On parle aujourd'hui, il y a forage. Le travail de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'exécutif et aussi de légiférer des lois. Le loto, il y a la lampadaire. Est-ce que mon député Tamoko a sali question orale adressée à la ministre de la Finance? Aya Koye Bisaye, c'est qu'on a surfacturation. Est-ce que vous m'avez député Tamoko a sali en rien, zéro. Ils ont laissé tout le travail, et le travail de l'Assemblée nationale, et le travail de l'inspecteur général, et le travail de la Cour des comptes, Batikeli Ango à Lingete. Et comme Lingete Azali imperturbable dans Moussala Azali Koussala, voilà pourquoi vous voyez tous ces gens commencent maintenant à les critiquer. Et Bakéi Pemoussika, Nakati Assemblée nationale, oh non, l'IGF doit commencer à déposer ses rapports au niveau de l'Assemblée nationale. Non, l'IGF dépend de la présidence. Pourquoi Bazon Luka IGF et Bandako déposer ma rapport dans Nakati Assemblée nationale pour que Bandako étouffe Yango? Nous nous demandons
à la première ministre, batien la biso ministre à justice, ou la cause à la dynamique, ou la cobanda au sanctionné, ou la cause à la te, azali kobanga makamouté, toi-même tu l'as dit. Gouvernement, n'a pas le gouvernement à diplomate, mais le gouvernement à compétence. Pensagi la lingette, un ministre à justice soit zali compétent. Ce qui a lingette a bimi si dossier, yango yo pa, net le lo, dije fekei, ko depose 600 quelques noms. Yabatou yo, babande ki ko zwa misolo, yabatou babande ki ko pesa couloir na payma ba fonctionnaire, ba détourné mot. Les noms sont déposés à la cour d'appel, ezala ya Kinshasa Matete, ezala ya Kinshasa Gombe, pour que ces gens puissent être traités et qu'ils viennent répondre de leurs actions. Mais pendant qu'Alinguet Azali Kobunda, pour la lutte contre la corruption, l'Assemblée nationale, bango bazo wene na ba poste. Oza la députée provinciale mabe, oza la députée nationale mabe, oza la sénateur mabe. Alors, au coton d'Anine, et Tikalika Kaoko Matu, président de la République, Yomoko président de la République, Yomoko ministre provincial, Yomoko ministre national, Yomoko député provincial, Yomoko député national, Yomoko pe gouverneur. L'attitude des politiciens congolais. L'unique personne qui les a mis à mal, c'est Gilles Alinguette. Mais s'il était accompagné par la Cour des comptes, s'il était accompagné par la justice, le loto linga kito lo de la bilan ya Tshisekedi du côté état de droit, et linga keza la kito, mais Alinguette yazali ye moko, nani a osunga ye. Nani a osunga Alinguette. Ki moyibi na Congo est comme chronique. Ba pasteur à Congo va sambeli ki moyibi esilite. Pasteur Dalo Assembly na martyr, Sunga chef de l'État, Yambalo ba miyibi ba pousa na pembenite, mais ki moyibi ezo mata niveau, degré ki moyibi ezo mata na Congo, les Congolais même n'arrivent pas à comprendre. Yo peza président Assemblée nationale, 90 millions et bimi, osombe na batu ba bis ya 20, ya 26 bis ya 30 places assises, tala niveau ya Kindoki, tala niveau ya ki moyibi. Godel po ya mekiao. Moïbi na nyoka na te ya nanye akokite ki Moïbi na vili ya Kinshasa et mati degré. Tala Kinshasa le londenge komi. Banzela tu ekufi, l'argent détourné. Tous les pasteurs ont prié, les moukouna ont prié. Et tikalika ka wanesa, wanesa koutwa sala sa de martyr. Ki Moïbi ba delivra ka ba kongolete na ki Moïbi. Tozo ze la sikoye Jésus Christ ye moko aya. Peut-être yende a kolongola ki Moïbi na ba kongolete. J'ai la lingette ya bundi ya bundi ya bundi bazui ki moyibi ba komisi ya moti na ba magistrat bazali ko korompre ba magistrat ba di ko yiba na réseau réseau na eza composé na ba procureur ba magistrat na ba DG ba ministre ba sali réseau na bango même si je fa ko sala ba enquête avec des preuves à l'appui ke ba yibi mais ils ont des procureurs et des magistrats qui les couvrent. Le peuple doit s'éveiller. Cette situation, il n'y a que le peuple qui peut se révolter pour mettre fin à cette prédation, à ce népotisme de ces gens qu'on a crié. Moi d'ailleurs, je n'ai jamais crié parce que je l'ai toujours dit. Ces gens étaient avec Kabila, Basale Lokote. Ils n'ont pas aidé Kabila, même si on peut insulter Kabila, Basale Lokote. Mais il avait ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, qui avaient le lourd de responsabilité de changer le secteur Kabila, Pesaki Bango, Basale Lokote. Le même personne, le secteur Tshisekedi, Pesaki Bango, Bali Kosale Lokote. Et vous êtes là, vous vous dites, non, Bisonenge Tozaliawa, nous devons continuer à le soutenir. Soutenir le voleur. Le chef de l'État, monsieur le président de la République, dissoudre kaka parlement wana. Le problème, c'est dissoudre parlement. Ba député wana ba zongé la biso, biso ba tout vota ki bango, et comme ça ba ye bisa biso, oyo bango ba kenda ki ko sal. Le jour ya primaire, ba wo ba kenda ki ko zwa bambongo. Ah, mboka na biso. Ils ne font pas leur choix. Leur vote n'est pas porté contre sur les gens qui ont les idées, mais leur vote est allé porter contre ceux qui leur donnent de l'argent. Il n'y a que le veille patriotique, Oyo et Koki Kote Lemisa du Cameroun. Mais je vais parler à ma conseiller à chef de l'État, Oyo Bazo Mema Katarien.
On a besoin des investisseurs. Bah, investisseurs, il faut baya, bah, investir dans le domaine où il y a des alités. N'amenez pas les investisseurs place où il y a des alités. Mais le Congolais est en train de faire déjà ce travail-là. Construction, il y a port, il y a matad. Les alités, il y a déjà na onatra. Pourquoi vous voulez que place au Congolais, vous voulez amener les Qatariens? Parce que vous avez vos propres profits dans quatre yaba Qatariens. Vous voulez aujourd'hui qu'il y ait un partenariat onatra naba Qatarien ou onatra pour gagner qu'à 15% par mois. Vous êtes qui nous quittez les alignés. Et lorsqu'on vous explique que les Qatariens, à terme, il y a un contrat dans Bango Bazoya, dans un partenariat, bah, le but, il doit vous prendre seulement une centaine de travailleurs. Il y a onatra. Ce qu'on va vous souhaiter, on va vous faire wapi. Nous avons eu la décision, la position, il y a direction générale, il y a onatra. Balobi, baboyi, partenariat. Soki ba Qatarien balingi baya, ba travailler na partenariat, et osa la partenariat gagnant-gagnant. 50-50, c'est le chef de l'État qui a dit aux investisseurs, vous venez à la grande porte et nous signons des partenariats gagnants, 50-50. Pe bato ba ko continuer na ou travailler, et ça ba travailler ya onatra. Soki ba orukaba ba ki sa ba travailler moussousou, on va recruter et c'est l'onatra qui va recruter. Parce que partenariat, on est osa la libélaté. S'ils veulent moderniser le port, Yamata, Lukusa est en train de le faire. Mais ceux qui ont l'ingiba yaba travailler dans le partenariat, il faut suivre à ce que l'ONATRA puisse être bénéficiaire. Parce que l'entreprise de l'État, il y a portefeuille, ils allient l'ONATRA. Yamata, le Koloba Awa. Ba Congolais de Bali Koboma ba ndeko na bango ba Congolais. Muto ali ko sala musala malamu yango nde bazali Koboma. Mais le muto zo kundela ba travailleurs, o ba lingi ba tinda bango na retraite. Ba lingi ba tinda bango ba kende passion avant na makambo ya pori ya onatra. Ba travailleurs wana ya onatra, ba liko sepela na musala lo kusali ko tongela bango ba ke. Ba bate banda kwa koste, bino bo lingi bo zwango bo pesa ngona ba Qatarien. Ba Qatarien ba ya na bande ko na bango, bino bo bimisa ya bino bande ko bo cha na bango, bo cha bango wana. Et les travailleurs de l'onatra ba uzanga musala. La position de l'onatra malgré tout, ezali ya osala partenariat gagnant-gagnant. Ils ne sont pas contre les partenariats, mais ils veulent que ces partenariats puissent bénéficier pour que l'ONATRA puisse en bénéficier et bénéficier à l'ONATRA à cause et cause à l'avantage à la travailleur pour qu'il y a partenariat et que le même travailleur de l'ONATRA puisse continuer leur travail même dans le partenariat. Nous soutenons cette position via direction générale. Il y a Onatra. Alors, Nayoki, des publicités, des vidéos, Onatra, ils allaient en entrepôt, c'est faux. Onatra, ils allaient na entrepôt na yango. D'ailleurs, ces entrepôts sont en train d'être réhabilités, améliorés, construits. Il y a sika ils allaient kotongama, moderne, selon le règle. Ya Mikoloyo na makambo ezali kotala ba entrepôt. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'y étais moi-même. J'ai vu les anciens entrepôts. J'ai vu les nouveaux entrepôts. Oh, bazali kobongi, c'est pas ba indiens qui sont employés là-bas pour perfectionner, améliorer, construire les entrepôts ya sika. Le canot ezali wana. Ba canot ezate ko mettre vie à bateau en danger. Parce que lorsque je me suis rendu na port, na beach plutôt, j'ai vu que les canots ezalaki babanaki ko salango entretien. Donc les choses sont en train de redevenir normales na niveau ya onatra et soyons sûrs que nous devons accompagner ceux qui travaillent pour l'avantage des autres. Je n'ai pas dit que na onatra makambutu ebongite. Makambo ekufaki. Entreprise de Koufaki, mais bazana katia ozongi sayango, malembe malembe nanzela. On se retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.